Salut. Mon nom est Thomas, et vous? T'es dans un téléphone public à cette heure-là? Je suis tombé à côté, sacrément. Désolé, madame. J'essaie juste d'appeler des téléphones publics à Montréal au hasard pour faire des connaissances. Ah ben oui, hein, tout le monde fait ça. Par contre, je suis pas une madame. J'ai 21 ans, puis je m'appelle Clémence. Ouais, j'avoue, ça donne pas mal toujours ce genre de réaction. Mais sinon, enchanté, Clémence. Moi, mon nom, c'est Thomas. J'ai 18 ans. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis dans la rue depuis que j'ai 15 ans. Bon, ben, attends, t'as fini ton défi, hein? Tu peux raccrocher, salut. Non, attends, ça m'intéresse. C'est comment? Indépendance. Le matin, tu te réveilles en sachant pas où est-ce que tu vas dormir le soir. Puis, quand il pleut, il faut que tu trouves un spot. Mais ça se peut que tu fasses quelque chose, parce que c'est dégueulasse, une personne dans la rue. T'as faim, t'as froid, t'as soif, t'as des règles. Sans avoir le nécessaire pour acheter serviettes, tampons, tout. En plus, j'ai même pas trouvé mon protecteur. Ton protecteur? Mais là, à un moment donné, fait le lien. Je suis une femme toute seule dans la rue. Un protecteur, c'est comme un chien, une tante ou un gars. N'importe quoi. Mais la journée, tu fais quoi? Je me promène. Là, en ce moment, je suis dans Outremont, puis je reviens du Myland. Des fois, je croise déjà ma famille de cœur. T'as quoi? Ma famille de cœur. En fait, la définition de famille est assez basse. Moi, j'en ai jamais vraiment eu. Donc, je la crée au fur et à mesure que je rencontre. Je dois avoir peut-être une centaine de personnes dedans. Peut-être 101 si je te compte dedans. Pourquoi tu me comptes dedans? Ben, normalement, les gens veulent pas parler aux itinérants. Toi, non seulement tu vas parler, mais en plus, t'es intéressé. Ça, c'est bien smart. Ben, écoute, il me semblait que c'est la meilleure chose à faire. Je prends ça vraiment à cœur, Clémence, merci. Hey, est-ce que ça te dirait un café demain à 10h au coin de Vanorme? Tu sais qu'on a 22 ans d'existence, c'est la première fois qu'on me dit merci. Fait que ouais, le café, ça va être un oui. D'accord, à demain.